practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stopped. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Alors les petits potes, retour sur le mode carrière. On va changer la caméra d'ailleurs, boum. Et on est parti pour la suite, donc. Oui, nous avons perdu le titre. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens un petit peu déçus. Un petit peu déçus. Sur YouTube, ouais, Psycho, ton niveau. Les gars, on fait un mode carrière pour rigoler, c'est tout. On veut juste s'amuser, donc... voilà, y a pas de problème, on a perdu, c'est pas bien grave. Nous, là, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser, on a eu du fun jusqu'à la fin. Et puis voilà, donc du coup, on a quand même, dans notre défi, bien évidemment, réussi à être meilleur buteur du championnat. Hein, 39 buts en 38 matchs. Mais malheureusement, on n'est pas champion. Donc, normalement, on pourrait rester, mais on va quand même se laisser les opportunités de pourquoi pas partir voir autre chose. Parce qu'on aime bien partir, revenir, partir. C'est une possibilité. On a envie aussi de un petit peu voir ce qui peut être possible. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre coach que nous, on serait plutôt d'accord d'être sur... peut-être un prêt. Je vais essayer une demande de prêt pour voir où c'est qu'on pourrait nous emmener. Une petite demande de prêt, ça pourrait être sympa pour essayer d'aller dans un autre championnat, mais toujours appartenir à Manchester, bien évidemment. Offre de prêt. Ah, ce matin, j'ai accepté une offre de prêt pourtant dans le club suivant, les Spurs. Bah non. Non, non, je veux pas aller en Angleterre. Non, t'as pas compris, Eric. Non, soit on va à l'étranger. Ah, off de près. Atlético Madrid. Le problème de l'Atlético Madrid, les gars, c'est que j'ai un peu peur. Non. Non, c'est soit un des deux gros, soit c'est pas d'Espagne. Par contre, en France, ça peut être un peu partout. Hein. Il faut qu'on fasse la Liga encore. Hein. Off de près pour vous. Ah, alors ça, on a déjà tout fait. En Italie, on n'a pas besoin. Enfin, ouais. Voilà, quoi. Baisse ta valeur, Tom. Oh non, tu vois, il y a pas mal de choses qui arrivent, hein, surtout en prêt, je pense que c'est pas mal, on a pas mal d'offres. On a juste à attendre un bon club de Ligue 1 ou un des deux gros d'Espagne. Sassuolo, tu vois, bon, je vais pas te mentir, c'est pas Sassuolo qui va nous faire rêver, quoi. Donc, tu vois, au final, on a quand même pas mal d'offres, donc je pense que c'est totalement possible aussi une équipe de Ligue 1. Hein. En vrai, je pense que c'est possible. T'en as plus beaucoup d'offres, là. On va voir si on est toujours sur la... Déjà, je vais reprendre les activités aussi, parce que les investissements, autant les faire le plus souvent possible. Hop. Après, je suis pas du tout contre rester, hein, mais si on trouve l'opportunité d'aller dans des clubs qui pourraient nous permettre de faire nos défis sur une saison en Espagne ou en France, on prend, quoi, clairement. Tu vois, ça peut être assez sympa, quoi. Ok, ça c'est bon. Est-ce que je suis toujours en... Ah bon, bah fin de saison. Ok, fin de saison. Let's go. On va voir, hein. Après, à tout moment, on n'en trouve pas de près, et puis c'est pas grave. On restera là. J'ai oublié de mettre un sucre dans mon café. Dégueulasse. Vraiment, alors, non. Ah. Allez. Alors, où est-ce qu'on en est? Je suis toujours dans la liste de prêts. Excellent sur la liste des prêts. Ok, parfait. Ok, on continue. On verra bien, les gars, si on a quelque chose ou pas. Et c'est pas grave si jamais il n'y a pas. On a plus besoin de s'entraîner, en vrai, parce que, ben... On a l'objectif max on a le niveau max du matin. Off de prêt Milan. Malheureusement, non. On a déjà fait l'Italie, on veut plus refaire. On n'a pas eu le championnat, je crois, l'Italie. Je sais plus. Juve. Bah non. Non. Vous savez lesquels on veut, les gars. Oh, faites des efforts. Amenez-moi en France, là. Les Spurs. Mais arrêtez. Mais c'est trop. Ah, je crois que ça va être dur de choper un club qu'on veut. Y'a pas un Marseille qui veut pop là? Brentford. Sérieux, vous êtes sérieux les gars? Ils sont vraiment sérieux? Brentford quoi, mais vraiment. Ils m'ont dit Brentford quoi. Moi, je veux bien aller à Marseille, les gars, mais ils proposent pas. Ouais, tu sais quoi? On refuse une fois Paris. Une fois. Mais s'ils reviennent, on y va. Parce qu'au final, il faut qu'on fasse nos défis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dislike, mais... Les gars,
Et ouais, faut que je fasse mes défis, moi. Vas-y, on va simuler les matchs de préparation, bien évidemment. De toute façon, on met des buts à chaque fois. Pas de soucis à ce niveau-là. Voilà, 3-0. On met bien sûr 0 but. On a Tagliafico qui est arrivé au club. Intéressant. Oui, mais j'ai pas du tout le championnat et j'ai pas fini meilleur buteur non plus. Donc, Atlético Madrid. Bon, vas-y, au bout d'un moment, on peut-être trouver à l'Atlético. Ouais, mais jouer le championnat avec l'Atlético, c'est chaud, non? Ouais, non. Je veux Barça ou Real. C'est tout. Moi, je veux Barça ou Real, les gars. Laissez-moi rêver un peu. Real Sociedad. Ouais, d'accord. Bah alors, bon. Non, la Tium, non. On veut plus aller en Italie. C'est dur, hein. Je crois que malheureusement, les gars, ça va pas être facile. Hein. Allez, au résultat, on s'en fout de perdre ou gagner. De toute façon, c'est match de pré-saison, ça, on s'en carre un peu le cul. Ça change pas grand-chose pour notre carrière. Si t'es à la Sociedad, c'est que Marseille peut arriver. Ouais, bah je pense, hein, logiquement, parce que... Il nous reste combien de temps, là, pour être prêté? Attends, je vais voir le calendrier. Il nous reste moins d'un mois? Ouais. Il nous reste 1, 2, 3... Ouais, 3 semaines et demie. 3 semaines et demie pour être prêté, les gars. Sinon, on va devoir jouer Manchester. RB Leipzig. Ben non. J'aimerais bien trouver un prêt dans un club qui peut m'intéresser. Ça y est. Ce sera donc le FC Barcelone avec 450 000 euros semaine. Hein. Je vais pas vous mentir, on y va. Hein. C'est le Barça. C'est le Barça qui nous veut en premier. J'ai été ouvert au Real ou au Barça. Et donc on signe à Barcelone avec Pedri qui nous dit bonjour, Xavi et Amandine qui surveille nos stats bien évidemment. Ce qui signifie nouveau club, nouvelle coupe de cheveux. Le 14, comme Aubameyang, magnifique. Alors mon pro, accueil équipe, je peux changer le numéro non? Je sais plus où c'est que c'est. C'est qu'à le 17. Déjà regardons l'effectif, est-ce qu'on peut jouer le titre avec? Au gardien, Karnel Chichi. En défenseur gauche, on a Wale, 74, pas ouf. Guardiol qui est là. Incapié, Timber, on est pas mal. Talo en défenseur droit, avec Thésée aussi. En défense, ça va. Peut-être il nous manque un défenseur gauche quand même. Hein. T'as le défenseur droit. En milieu défensif, en capitaine, Rodriguez, 82, va comprendre. On a Pedri, 92 de général. Ok. Mount, Torres à gauche. Dembélé à droite. Et en buteur, on sera en compétition avec Wai. Eh ben écoutez, ça me va. Ça me va très très bien. Hop. Vas-y, on va prendre un petit peu les points là qu'on peut prendre. On va faire les investissements et puis on va aller s'entraîner pour être dans le 11 de départ un petit peu plus clair et net. Et puis, bah les gars, content. Hein, content d'être à Barcelone. C'est un des clubs qui peut nous permettre de réussir nos deux objectifs. D'être meilleur buteur et être champion. Tout ça en prêt. Donc c'est parfait. Comme ça, on retourne à Manchester... quand on voudra y retourner. Donc je suis plutôt très content. Plutôt très content. Et du coup, bah, on va devoir jouer avec ce numéro, je crois. On va devoir jouer avec ce numéro. On va faire les tirs en... Bah, de toute façon, on s'en fout, en fait. En fait, on s'en fout des entraînements parce que... On veut juste... être... L'XP, on n'a plus besoin. Donc on met n'importe quoi et c'est bon. T'as été Ballon d'Or? Non, jamais je crois. Mais je sais plus les dates donc je le rate à chaque fois. Je le rate à chaque fois les gars. Au niveau du classement, aucun match a été joué. Donc on est parti contre Villarreal. Notre premier match à Barcelone les gars. Et là on va se focus hein, parce qu'on veut en une saison essayer de faire le doublé. Hein. Changement de coupe. C'est vrai que j'ai oublié de faire mon changement de coupe. On ira faire un changement de coupe de cheveux. Allez on skip ça. C'est pas un match dans notre stade, donc on s'en fout un peu. Hop là. On retrouve un petit Dalot. Ça fait plaisir.
Éviter la victoire. Vas-y, on va faire victoire. Allez, c'est parti. Quoique la coupe de cheveux, elle va limite bien avec le maillot, mais on va changer. On va mettre encore plus long, je pense, si on peut. Allez, football espagnol, ça joue à la balle. Hein. Bon, peut-être que j'améliore d'ailleurs mes stats de passe, quoi. Ouais, je l'avais pas lu celle-là. Je l'avais clairement pas lu celle-là. T'as le bon numéro ? Ah, j'ai pas fait gaffe. Trop bien si j'ai le 17. Ouais, j'ai le 17, parfait. Parfait. Ouh, bah non. Bah ça commence bien, c'est cool. C'est cool. Top. Oh, Dembélé, Ousmane. Tu rigoles ou quoi ? Ouh. Oh non, je suis hors jeu. Oh, ça s'est joué à rien du tout. Oh là là. Comment on voit ça? Ouais, quand même. Ouais. Rien du tout, bon. Monsieur ! Premier but pour le FC Barcelone, une frappe à lucarne. Ben oui. Non mais bien sûr. Ben bien évidemment les gars. Bien évidemment. Magnifique. Hop, le crochet, un espace. Bim. Très bien. Ouh. Mais oui ! Allez les gars ! On se sent bien déjà ! C'est beau ça! Magnifique! Oh la frappe à ce qu'on met! Hop! Piche! Ping! Bon les gars, on est plutôt bien. On est plutôt très bien. Et on va pas hésiter à chaque fois à éventuellement sortir rapidement. Si jamais on prend le lead, tu vois, de 2-3 buts. On va pas se prendre la tête. Là, on veut juste aller chercher les défis qu'on doit faire. Ici, on sait qu'on gagne. Dommage. Pression. Oh, pression. Oh, ils sont sereins. J'ai mis une bonne pression là. Ouais. Pas si con. T'es pas loin là. Bien. Ah. T'as un début déjà doublé, trop con. Je suis pas méga rapide dans mes transmissions. D'ailleurs, faut que j'ai fait les améliorations de, tu sais, les petits bonus que tu peux sélectionner là, les trois bonus que tu peux sélectionner, faut que j'aille voir pour mettre des améliorations pour l'équipe, histoire qu'on soit encore plus compétitif. Et moi, mon joueur au niveau des stats, il a tout ce qu'il faut. On va pas se prendre la tête à lui améliorer flair ou quoi que ce soit. Et on va
on va essayer de, d'augmenter le, les, la puissance de notre équipe, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ah, dommage. J'ai cru que j'irais en contre-attaque, là. Ok, bon, deux buts déjà. C'est bien. Il faut qu'on fasse une passe D. J'avais pas vu. On va essayer de faire une passe D. Et si on fait une passe D, pique à 3-1, on sort. Oh, bougre. Ouais, il m'a bien vu, quand même. Prends pas de but. Ouf. Oh, il l'a tenté, hein. Il l'a tenté. Eh bien. Les gars, vous faites quoi? Wow, il va te la sortir, hein. Ah, il va te la sortir. Vas-y, on va essayer de prolonger le centre. Merde, alors pas du tout. Dommage. On va essayer de faire mieux là. Oh, dommage. C'est sur la passe D en fait, du coup. Oh putain, il chatte. Il joue avec le feu, hein. Allez, récupérer cette balle là. Ousmane, allez. Je pensais que je passais, putain, j'allais le décaler après. Je suis trop focus sur la passe D en vrai. Non, non, ce sera lundi, moi, que j'ouvrirai des packs, frérot, pour la... Tot Ultime. Oui, j'ai fait une passe D. Oh, alors, celle-là, on s'y attendait pas du tout. Oh, bah, les gars, je demande ma sortie. Alors, ce but, il est dégueulasse, mais je prends. Hein. Oh, let's go. Oh, incroyable. Oh, le gardien est caté au sol, on dirait moi. Coucou, psycho. Je viens de faire ma réception Pokémon de ma vie. Bah vas-y, raconte. Envoie une photo là sur Discord. Premier match, les gars, on est plutôt bien. On s'en est plutôt bien sorti. Hein. Deux buts, une passe D. On gagne 4-2. À la fin du match, on est plutôt bien. Ça fait plaisir de commencer comme ça, hein, clairement. Regarde ça là. 11 de départ. Le coach, il est méga content. On est au top. Rien besoin de plus. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Merde, j'ai pas regardé ce que j'ai répondu, c'est pas grave. Vitor, ah, c'est un derby ça? Ok, bah j'ai pas fait gaffe. Demander une augmentation, faut 94 de général. Mais comment tu fais pour avoir 94 de général alors que j'ai plus de points à mettre? Ça, je comprends pas.
faut vraiment que je regarde ce que je peux faire. Peut-être qu'il faut que j'enlève les dribbles. Limite, faut peut-être jouer sans les 5 étoiles, parce que ça augmente pas les stats. Je sais pas. En vrai, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, on voulait aller voir vite fait. Oui, là. Ça. J'aimerais bien peut-être mettre des choses qui vont augmenter mon équipe. Octroie 4 secondes souffle, attribut défensif renforcé pendant une courte période, 15 minutes après avoir encaissé un but. Améliore la précision des passes en profondeur et des passes. Ok, ça s'en fout. Enfin, c'est l'attitude des partenaires lorsque l'équipe est menée en fin de match. Améliore les attributs tir. Attribut renforcé ce coup de pied arrêté. Améliore les attributs défensifs pendant 15 dernières minutes et les arrêts de jeu du match. Mais ça, c'est pas toute l'équipe. Efficace sur les tirs de loin. Améliore les capacités d'interception. Améliore les tirs pendant 15 minutes. Vos partenaires peuvent mieux contrôler vos passes. Pourquoi pas. Attribut renforcé dans les duels. Attribut défensif renforcé pendant une courte période. Renforce le jeu de tête des partenaires, ça on s'en fout. Améliore les attributs de tête sur les coups de pied arrêtés. Améliore la vitesse des partenaires après la récupération du ballon de votre camp. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Améliore le gardien. Améliore la finition des tirs en première attention des têtes. Attribut force, conduite de balle. Améliore votre conduite de balle. Renforce les attributs passe pendant une courte période. Tire dans la surface. Renforce l'attitude des partenaires pendant le pressing. Pourquoi pas. Vas-y, on va mettre que des trucs pour l'effectif, quoi. Pressing collectif, c'est très bien. D'accord, ok. Et vas-y, j'ai envie d'aller voir si je peux pas atteindre le 94 de général pour avoir une augmentation de salaire, ça peut être rigolo. Parce que tu vois, il faut éventuellement visualiser ce qui n'enlève pas de stats, quoi. Mais tout enlève des stats. Il faut que j'enlève mes stats où pour être meilleur encore. C'est ça, je comprends pas. En vitesse, je suis au max. On le dépasse, quoi. J'ai plus de poids. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Tant pis, hein. Allez, on continue. On est parti. Séville. Let's go. Conduite de balle, 102. Ouais, ouais. Après, il y a des choses qui sont un petit peu over... overjouées, ouais. Allez. Écoute, on verra bien. Mais du coup, c'est moi qui dois faire le pressing, c'est ça? Mes défis, c'est quoi? Obtenir une note de match 10, bon bah c'est mort. Et après, bon, on va regarder les autres. Atteindre le taux de possession, atteindre le taux de réussite de dribble. Ok, c'est bon. Bon, bah, malheureusement, 10, on n'y arrive pas, mais... Oui, c'est quand tu actives le pressing avec la touche. Avec la touche R1, ils sont plus efficaces. Ok, je vais un peu abuser de cette touche, hein, du coup, voir un peu ça donne. Bah, déjà. Bon, oh, c'était un petit peu téléphoné cette passe là quand même. Ah, dommage. Oh, y'a Maguire. Oh putain, les gars, on marquera jamais un but. Putain, duel de la tête contre Maguire. Joué. Ça, tu vois, c'est un truc un peu relou, quoi. On pouvait finir facile, quoi.
Ah, je pensais pas qu'il allait. Bien joué. Oui, la passe D, Pedri. Il va faire un câlin, frérot. Tu m'as repoussé de où? Vas-y, m'a repoussé le bâtard. Une petite passe D là. Mais en vrai, quand tu joues milieu offensif ou milieu centre, est-ce que c'est pas trop galère la carrière par rapport au fait où les attaquants sont quand même très très cons des fois, quoi? Tu vois, là, on le voit sur les actions qu'ils ont eues. Ils ont pas voulu marquer alors qu'ils pouvaient y aller, tu vois ce que je veux dire? Oh là là, le but est incroyable. Bah oui, c'est... Dégoûté. Dégoûté. Non, je veux mon petit but. J'ai la Dion. Alors, je sais pas si c'est le fait que le pressing et tout ce qu'on a changé, c'est fort, mais bon, on se trouve quand même des bonnes actions là. J'ai toujours pas joué au Camp Nou. Hein. Je dégue. Oh putain. Bien, gardien, solide. Solide le frérot. Oui, gardien. On fait la spéciale. Ouais, j'ai stressé, je voulais la mettre en profondeur, j'ai vu qu'il était hors jeu, j'ai pas annulé ma passe. Voilà, my bad. Le jour d'une touche, c'était incroyable. Pff, oh là là, vas-y, fais-moi un câlin. J'ai envie de te faire l'amour, Ousmane. Hein? Pardon. T'as eu la passe qu'il me fait ou quoi? C'est incroyable! On est bien, hein? Ça joue en Barcelone. Oh, Maguire. Alors. Ah, ok. Non, pardon, excuse-moi, je t'ai pas respecté. My bad. Quoi? Mais sérieux? À mi-temps, 3-0. Et à deux doigts de sortir. On doit sortir, dire bah, vas-y, on a fait. On fera pas 10 de notes parce qu'on peut pas la faire. Ah. Vas-y, tu sais quoi, vas-y. Hein. On se blesse pas, on avance dans la carrière. On est bien, on va pas perdre ce match. On est top. Hein. Si on met un but par match, le côté meilleur buteur va être fait. Ah, on est déjà meilleur buteur. Bah oui. Hein. Non, en vrai, ça peut être une bonne saison. Hein. Investissement 7. Vas-y. Hop là. Et on y va. On continue. Oh! Domicile, les gars. Premier match, enfin. Au Camp Nou. Let's go! Ça fait plaisir. Enfin dans notre stade, les gars. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Ah, mais il est pas modélisé? Si? Non? Oui? Bah ouais. Bah ouais, ils sont pas partenaires. Bah ouais. Je suis con.
Bon, c'est pas grave, c'est comme si c'était chez nous, quoi. Note de match, éviter la défaite, victoire. Allez. Pourquoi il fait le... il fait l'épouvantail, la Weissman, à l'engagement. Allez, les gars. J'ai l'impression que cette petite tactique-là, enfin, de mettre que ton équipe est un petit peu moins con, sur certains points, peut te permettre de... mieux gérer les matchs en début, quoi. T'as pas joué la coupe de cheveux? C'est vrai. Vas-y, je vais après. C'est juste, j'ai pas encore trouvé de barbier et de coiffeur cool à Barcelone pour l'instant. J'ai demandé à Pedri, mais après je me suis souvenu qu'il avait pas de barbe et rien, donc il pouvait pas trop m'aider. Bon, alors là, Ousmane, quand même, on peut faire mieux là. Et ils s'en sortent bien sur le pressing, hein. Il l'avait lu. Il l'avait lu. Bah, c'est vrai que ce drill est pas efficace, hein, contre l'ordi. La virgule est vraiment pas. En ligne, ouais, quand tu joues contre des gens, ouais, mais alors là, contre l'ordi, c'est pas vraiment fou. Oh putain. Tu vois, fallait que je te dise ça, ça se passe mieux. Hein. Et voilà, on perd 1-0 contre Rayron chez nous. Un point, ils ont. Et dur. Ça aurait été beau, ça aurait été beau, ouais. Ah. Ah ouais, il est bien revenu à Guillaume. Oui, oh dommage. On va tenter. Oui, magnifique. Let's go. Allez, l'égalisation fait du bien. Et encore un petit but. Oh putain. Ouais, je pensais vraiment que je pourrais aller sur le côté et après centrer pour Ousmane. J'aurais peut-être dû le transmettre avant, en fait. Ouais, moi, je suis pas fait pour les petits périmètres, les gars, comme ça. Là, vous mettez la pression. Ah ouais, ils mettent la pression, ils font des petites passes comme ça, moi je suis du père. Ouais, c'est pas grave. Faut encore un tir cadré, on aura fait les défis. Ce serait bien qu'on marque deux buts éventuellement et je sortirai, mais sinon on restera jusqu'à la fin.
histoire de prendre le maximum de points au début de la saison, c'est important. C'était pas mal. Tu vois, ça défend quand même mieux. Ouf. Par contre, là, la perte de balle est vraiment dangereuse. Ah, dans le dos. My bad. Attention. J'aime pas cette action. Ok, bien. Joue à côté là. Joue petit, on est Barcelone hein. D'accord. Oh là là, je pensais que j'étais hors jeu. J'ai demandé la passe, je pensais que j'étais hors jeu, mais non, c'est bon. Allez, 2-1. Encore un petit but là, ce serait beau. Petite passe, peu importe. Avec le passe à 3-1. Sort de se mettre un peu en guillemets à l'abri. Oh, oh, oh. Oh là, on met un banger devant notre public. Oh, il est dingue celui-là. Oh, la reprise de volée, lucarne. Oh là là, le geste. Bon, oh, ça passe à travers mon bras, j'imagine bien, mais bon. Oh là 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 là. Oh bah non, c'est bon, je sors là-dessus. Non, non, c'est bon, c'est trop, c'est bon. Allez, merci beaucoup. Oh non, c'est trop là ce qu'on vient de faire. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Fouh. Allez, simule les fins du match. Et on gagne 3-1. Ferran s'est blessé. Ah non, but refusé, pardon. Ok, ça va. Oh les gars. Le but qu'on a mis là, il est insane. Let's go. Vas-y, on va finir le passer à date limite. Voilà, on s'en fout un peu, on y va. Putain, j'espère qu'ils vont pas me rappeler en milieu de saison, hein, d'ailleurs. Ça serait un peu con, quand même. Ils peuvent me rappeler en milieu de saison? Genre en mode, ah non, au final, reviens. Tu sais, t'as pas fini ton défi, quoi. C'est un peu con. Oh, Ligue des Champions, après. On va aller voir, justement... bon, on va jouer ce match. Et ensuite, on ira voir un petit peu tout ce qui va nous arriver après, quoi. Il y a Aouar, ici. Edouard aussi. Ils ont une équipe intéressante. Allez, l'Espagnol Barcelone. C'est ça, non? Allez. Voyons voir ce que c'est nos défis. Obtenir une note de 8,5. Réussir 3 passes et atteindre le taux de possession de 55%. Ok. C'est dans le coin de verre, je crois. T'aurais pu faire mieux, hein, petit pote. Barça. Barça, hein. Non, vraiment, c'est beau, c'est beau. C'est beau, tu pars en contre-attaque, hop, il te la met, on s'entend bien. Non, franchement, là, on est dangereux, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est incroyable.
ça se passe tellement bien ce début. Tu te rends compte ce début de saison par rapport au début de saison qu'on a fait avec Manchester? Après, peut-être qu'aussi avec ces instructions-là, enfin ces améliorations-là que j'ai utilisées là pour plutôt l'effectif et pas que pour moi, ça peut être pas mal. Hein. C'est Guillaume. À toi. Bien battu, ça. Lève-toi, 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 t'inquiète. Oh! Oh! Golato! Incroyable! Mais ça se passe trop bien! Oh, Ferran, il a mis une frappasse. T'as, pourtant, je faisais un appel de ouf. Et là, il se dit, vas-y. Elle est propre, hein. Ah oh, ouais. Ouais, le quoi, ouais, c'est relou, ces petits bugs où ça te change de poste et tout, ça te met des fins latérales. J'avoue. On récupère méga vite les balles. Hein. Pff, ça joue tellement bien. Oh non, les gars, c'est trop. C'est trop, ça joue tellement bien. Bon, là, t'as le 8,5, on sort. Hein. Ah, t'as vu. C'est ouf la différence qu'il y a avec Manchester. C'est trop, frérot. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Un truc. Je viens d'atteindre la note qu'il me fallait donc. Bah, 4-0 frérot, autant bouger, hein, on a fait notre taf. Hein. Oh, je me suis dit pourquoi pas en vrai. Oh là là, incroyable. Oh là, on a fait le défi, on se tire. Merci beaucoup, Barcelone. Pas de blessure, rien. 4-0, bon. C'est pas qu'on va... Voilà, hein. Ça va. 5-1. Oh, les gars, c'est trop... Ça se passe... Franchement, ça se passe trop bien. C'est un délire. Ça se passe vraiment trop bien. On en a eu des débuts difficiles, mais alors là, on est quand même sur un beau début. Alors, du coup, Ligue des Champions, les gars, on va aller voir qui c'est qu'on a dans notre groupe et le prochain épisode sera la Ligue des Champions, en définitive. Prochain épisode, on va justement jouer la Ligue des Champions. Parce que là, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Mais vraiment... Waouh, la différence est folle. Au niveau jouabilité, c'est ouf. Attends, mais j'ai tout ça à faire. Vas-y, mais je vais tout faire, moi. Donnez-moi tout, hein. Moi, je prends tout. Je prends tout, les gars. Donnez-moi les thunes. Je veux toujours pour mon futur champion, imagine. Ce serait trop beau ça, hein, que tu puisses te l'incorporer dans ton équipe fut. Allez, on récupère nos investissements. Très bien. Je vous rappelle, hein, on aimerait un jour pouvoir s'offrir le truc le plus cher de la boutique. Bah, il nous reste deux trucs à acheter en fait, hein, en vrai. La villa de luxe. Et
et le yacht. Mais j'ai acheté la villa de luxe déjà, tiens. Bah non, parce que bon, au bout d'un moment, voilà, villa de luxe, quoi. Comme ça, on a tout acheté dans le jeu. Du coup, classement. Ouh. Porto, c'est quoi FCSB? Je sais pas trop. J'avoue, FCSB, je sais pas. Allez, on va voir le groupe A. Bayern, Naples, Manchester, PSV, ok. Madrid, Chelsea, Benfica, Shakhtar, Paris, Sociedad, Leipzig, Copenhague. Là, c'est notre groupe. Liverpool, Inter, Celtic, Galatasaray, Manchester City, Monaco, Salzbourg, Sporting, Milan, Dortmund, OM et Leverkusen, Atletico, Club Bruges et Sparta Prague. Ok. Je te vois à Bucarest, c'est ça? Ah oui. Oui, oui. Tu as sûrement raison. Bravo. Ok. Au niveau de la Liga, pour le moment, les potes, nous sommes premier, 15 points, 5 points d'avance sur le deuxième en 4 matchs, 4 victoires. Ça se passe méga bien. 15 buts marqués, 5 buts encaissés. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Au niveau de la saison, les stats. Bon, la Ligue des Champions. Oh, attends, il y a un mec qui a mis 4 buts. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont joué les tours préliminaires. Ouais, c'est ça. La Liga Santander, voilà. 9 buts en 4 matchs. On est déjà parti pour un record de ouf. Non, franchement, on est vraiment bien. Et quel plaisir. Ça se passe de ouf, quoi. Vraiment, hâte de reprendre la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine hein, que je reprendrai lundi, je pense. Et non, franchement, lourd. Très, très lourd. Pris beaucoup de plaisir et hâte de voir ce que nous réserve cette saison. Je vous rappelle qu'on est en prêt à Barcelone et que on va faire une saison pour espérer être meilleur buteur et gagner le championnat. Pour l'instant, en tout cas, on part plutôt bien. Allez les gars, prenez soin de vous. 12 points, pardon. J'ai dit 15, excuse-moi. 15 buts, c'était. Prenez soin de vous, les potes. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. C'est Psycho. Bye tout le monde. Ciao, ciao, les potes.